Et yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Cliff Empire. On a bientôt le nouvel événement. Un événement s'il vous plaît. Ah voilà, période de sécheresse en approche. Bah. J'ai déjà eu. Ah, ça doit être parce que j'ai relancé le jeu, c'est bizarre. Ok. Ça me va. Un peu de chum du. Ouais, 8, ça va. C'est pas pire. De toute façon, en plus, ça fait des travailleurs, ça. Ouais, il y a des travailleurs là-dedans, donc. La vache. Ah oui. Il y a même pas mal de travailleurs. Hein. Trading platform arrived. J'ai de l'emploi et puis en plus ils viennent travailler de l'autre ville, donc c'est bon. Alors par contre, ce qu'il faudrait que je pense à faire aussi, c'est m'installer. Hein. New task received. Faudra que je le fasse. Une période de sécheresse approche. Les nuages ont complètement disparu, ce qui rend l'énergie solaire plus efficace. Mais l'eau souterraine est asséchée. Et la terre est devenue stérile. Ah oui, carrément. En attendant de vous une grande quantité de batteries cette semaine. Oui, avec grand plaisir. Alors les batteries. Quoi? Comment ça seulement j'ai que ça là? C'est quoi la blague? On s'en avoir plus, bon. Puissance de charge 520. Oh la vache, là je suis en décharge. Ouais, tu m'étonnes. Je charge d'un côté, mais je décharge de l'autre, quoi. Mamacita. Ça charge bien quand même, hein. 1300%. Bon, je sais pas si ça suffira, par contre. Hein. Vente ponctuelle, je vais déjà passer à 50 de vente ponctuelle, on va voir ce que ça donnera pour le reste. Ah, j'ai besoin de transports sociaux. D'ailleurs, au niveau de l'eau. Ah, va. Il y a autre chose, hein, je crois. Donc, déjà. Oh, on est au max ici, parfait. Voilà, deux transports sociaux, je refais les deux. 4. Ok. Un pour donner un petit boost de recherche surface absorbante. Ah oui, pour l'énergie solaire. Je sais pas si ça suffira, mais. Et là, j'ai une habitation qui est en cours, mais j'ai plus d'argent. Trading platform arrived. Bon, ça va refaire du fric hein, là avec ce que je devrais vendre. Quelques batteries. Ah bah Smith, je vais pas avoir assez vraiment. Je vois pas grand chose. 2487, j'avais besoin de 2500, bon voilà, ça a été fait. On est arrivé de nouveau habitants. Parfait. Ah, par contre j'ai eu de la dépense, hein. Non même pas. Ouais, c'est juste la recherche. Ok. Ça, du stock, c'est très bien. Bon, et si je commençais de ce côté-là? Que je fasse un pont. Je vais commencer à. D'ailleurs, tu sais, c'est ce que je vais faire. Je vais commencer à faire le pont. Hop.
Très bien. Ici c'est correct, hein. Oui. Voilà. Ça se passe comment au niveau batterie là? Ça se passe bien. Voilà, on a un autre pont qui est construit. Ça me demande combien ça? 30! Alors, mais on pose la construction parce que sinon on n'aura plus rien. Et le premier truc à acheter ici, c'est un entrepôt. Je vais faire la zone de stock ici. Je pense que c'est pas mal. La zone de prod ici. Voilà. Ça, on fait notre troisième zone et on va voir quels sont les avantages de cette colline. Ensoleillement, poisson. Oh, la fertilité du sol. Oh, dégueulasse. Gisement de matière, c'est dégueulasse partout. Eau souterraine, un peu. Je m'en fous, c'est pas de l'eau souterraine que je prends. Par contre, ensoleillement, on est bien. Ok. Donc, classico-classique. Résidence. Complexe résidentiel, les maisons je les fous là-bas. Ah mais non mais non. Une plateforme d'atterrissage avant quand même. Il faudrait que je la mette à un endroit où ça gêne pas. Ici, parfait. Résidence. Non, complexe résidentiel. Ce sera bon au niveau. Hop. Je dois avoir. Un centre de maintenance. Je dois pomper un peu d'eau. Non, non, c'est le pont là, qui va s'en charger. Il me faut de l'électricité, donc du solaire. Je vais le faire là-bas. Il me faut une station de batterie. Ici. Et une mine. Une mine de matière, hein. Il m'en faut un minimum quand même d'apport de matière. Allez hop, et on accélère. Ça, je l'augmente de taille deux fois. Ça c'est fait, une chose de faite et qu'elle est bonne. Voyons voir, est-ce que j'ai de la batterie que je vais pouvoir vendre pour le jour prochain? Oui, je vais en mettre une vingtaine. J'en ai mis combien à vendre ici? 10. On va passer en 30, ça va me faire 50. Allez, là je vais mettre 28. Medium construction completed. Hop là, là, tout ça, ça se construit bien, tranquillement, mais sûrement. J'ai bien fait de pas faire ça. Parce que j'ai pas assez de ressources. Ok, là, niveau énergie, en journée, je suis bien, ça chargera la nuit. Et là, il me reste 33 de minerais, de matériaux de construction, ok. Ils sont pas contents forcément, c'est pas un souci. On va augmenter la capacité d'extraction de la matière. Ok. Emploi 31, parfait. J'ai pas de nourriture. J'ai pas de production de nourriture. Après tu me diras, la fertilité du sol ici est tellement dégueulasse que je suis obligé de passer par de la serre. On va mettre ici. On pourra mettre de la serre, on met du poisson. Il est où le poisson? Or. Il est où? J'en sais rien. Il y a le portail.
Medium construction completed. Voilà. Il me coûte combien ça? 20? Allez. Je vais avoir un peu de production, donc c'est pas un souci. Les jours de sécheresse sont bientôt terminés. Là j'en vends 8. Là je suis à 170. Donc on va en vendre 18. Et on aura terminé notre la mission. J'ai un peu de chômage des deux côtés. Ok. Oh. Ah oui, il y a de l'accueil de touristes que je peux faire. Attendez, on va modifier ça. Centre de divertissement, tourisme. C'est où? Hôtel? Faire un deuxième sanatorium. Ouais, ouais, ouais. Là, je peux pas. Ouais. Un deuxième sanatorium, comme ça j'aurai 60 de capacité de tourisme sur 59, donc ce sera juste parfait. Aérodynamisme amélioré, voilà, on va augmenter la production des éoliennes. C'est parfait, oh la puissance de charge là. Oh. J'étais à plus de 500 quoi. Qu'est-ce que ça donne de ce côté? Ok. Bah attendez pas devant les mecs, hein, faites quelque chose. Au niveau de l'eau, on est bien. On est très bien. Oh la vache! Ok, on va pouvoir reprendre le rythme classique. Les achats-ventes, parce que là on produit pas, donc... ça va bloquer les productions au bout d'un moment, je veux dire. Hop là, voilà. Là, quand ils vont arriver, les portails de commerce, ça va être libérateur. Là, va y avoir du bordel là qui va être foutu là-dessus. Oh là 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 là. Allez, allez, encore. On charge. On a de quoi charger les mecs. Allez. On a encore 3 heures de chargement là. Allez. Ah, c'est tout? Si, oui. Allez, encore, oui. Allez. Ah, il n'y a plus. Plus rien à charger. Ah, sniff alors. Oh, on a fait un bénéfice de 930 quand même là sur une ouverture. Ici, 620. Ouais, c'est pas mal du tout. Hein. À ce niveau-là, coucou hibou. Transport social. Ah oui. Là, ça va être pareil. 26, plus de 80, mais bon, 80 quoi. Ok, il faudrait quelques transports sociaux, mobilier et tout. Ouais. Pareil, ça c'est pas fou. Hein. Bon, déjà je vais leur vendre un transport social. Ici et quelques drones, je vais leur en vendre. Je vais leur en vendre deux. Pas plus. On est rang 6, très bien, encore un pour avoir les bâtiments, je crois que c'est au sol ça. Hein. Alors je suis pas sûr, mais il me semble que ce sont les bâtiments au sol. Ok, et je vais mettre reprendre la construction de ça. J'aimerais pouvoir échanger. Voyons voir. Ok. On y a un peu d'énergie, mais comment ça me prend ça? Ok, c'est bon. J'ai même un peu de puissance de charge. Parfait. Et en transport social, 2 sur 2. Pourquoi je suis pas au max? Bon. On verra après pour l'éducation, etc. Alors ça par contre, quand il sera activé, ce sera de la priorité. Hein. Si jamais un jour je dois l'activer, ce sera en priorité.
mais en priorité prioritaire, s'il vous plaît. Ok. Ouais, prod énergétique, là. Fait du bien. Là, on consomme beaucoup moins de batterie. Enfin, non, pas beaucoup. Pardon. Pas non plus beaucoup tant que ça, mais un peu. Ah, sérieusement, le centre de divertissement, là. La vache, enfin, j'en ai fait pas mal, déjà. Bon, on va dire qu'ils sont heureux. Pas déconner, non plus. Enfin, je vais avoir des bonus au bout d'un moment, non? Haut du ciel, je vais vouloir faire un peu de... C'est où de... d'éducation. C'est augmenter... la recherche, etc. On va faire... faire une université. Ah, ça fait de l'emploi, par contre. Hein. Ah, ça picote l'emploi, ça. Je vais la faire là. Ouais, ça picote l'emploi. Hein. On va prioriser ça, priorité 1, et ça, on va mettre en priorité 2. Voilà. Ça, ça produit, mais pas tant. C'est à 8 par jour. Il va falloir 2 jours pour ça. Et 3 jours pour l'autre, hein, je crois. Si j'arrive à cliquer, ouais, 3 jours pour lui. Ok. Je sais que je peux passer du fric d'une ville à l'autre, mais après... c'est difficile à rembourser, etc. Avec les taux d'intérêt, machin... donc pas intéressant. Un peu de chômage... Ils iront travailler là-bas, au pire. Un peu de chômage. Oui, bon... Ah, c'est vrai qu'il y a ça. Poisson de falaise, moins 2. Ah oui, la vache, ça consomme pas mal. On consomme trop. C'est vrai que c'est pas mal parce que ça prend pas de place, quoi, mais... ça consomme beaucoup. Ouais, on va revendre. Et c'est parti, c'est reparti pour la vente. Faut vraiment que je pense à mettre ma bouche devant le micro. Moi. Ah, les ventes sont agréables quand même. Et bientôt un autre événement. What is the new event? Vendre de l'eau et de la bouffe. On devrait se faire tout seul. Hein. Ouais, ça va se faire tout seul. Ici c'est bon et ici c'est bon. Oui. Oui. Bon bah ça commencera le tour prochain quoi forcément parce que au niveau des horaires c'est pas très bien. Mais ça va être une mission rondement menée je pense. Dans la santé ils ont jamais été en si bonne santé pour les mecs. Hein. 80 sur 55 quoi. Alors pour les autres je dis pas. Ah ouais, la preuve ici. Ah mais c'est bon, je vais faire un sanatorium. Ah oui mais c'est vrai que ça coûte une blinde ce truc. Vu que je vais faire un sanatorium, la santé va augmenter un peu ici. Plus 7, ça va faire pire ce qu'il faut. Un peu de divertissement peut-être même, je sais plus. Du tourisme, ouais ça fera tout ce qu'il faut. On a combien? On a 2007. Ok. Et là, comment que ça se passe? Je l'améliore ici, hein, j'ai l'impression. Hein. Mais bon. Pourquoi ça en a livré, là, alors que ça, c'est pas fini? De quoi? N'importe quoi. Ah, ils vendent de la nourriture ici, tu vois. Ok, ça c'est fait. On partage de l'eau et de l'électricité. Déjà, ça c'est une bonne nouvelle.
Voilà, ça, l'université est en cours de construction. Les drones, il y a ce qu'il faut. Ici, ici, est-ce que je ferais pas en vrai une méga foreuse hein? Ouais, si. Je vais la prioriser, la méga foreuse. Est-ce que j'ai du rab ici? Oui, j'ai du rab. Je vais faire l'achat ponctuel de 40. Research completed. Recherche complétée. 8% d'accumulation. Cherche à des captures d'énergie de 15%. Bah c'est quoi la différence? Ah, la charge des capsules d'énergie. Ok, oui, c'est ça autre chose. Ah, esthétique additionnelle, parc éolien. Ah, intéressant. Bon. On va augmenter l'accumu. Les accus. Ouais, ça, ce sera mieux. Est-ce que j'ai assez de moteur, honnêtement? Ça court toujours, j'ai pas assez de moteur. Et il faut que j'achète 16 moteurs. Ça coûte combien, ça? 1008, ça sera bon. Non, non, prenez en priorité ça, les mecs. L'eau et la nourriture, elles se vendent bien. C'est vrai que j'ai de l'eau ou pas ici? Oui, non, non, c'est bon, j'ai pas eu besoin. J'ai pas eu besoin vu que là on communique. Est-ce que j'en produis assez sur les deux autres? Limite, limite ici l'eau. Hein. Après, heureusement, la côte paisible, elle en produit une chier. On va pas dire une chier. Donc pour l'instant, c'est bon. On est chômeur, on a du chômage, on a du chômage. Mais là, ça ira mieux. Bientôt, là, ça va être construit alors que j'ai demandé en priorité ça. Mais bon, voilà. Acheter 18. Ouais, je vais en racheter 30 ans parce que là, ce temps-là. Heureusement, j'ai quelques revenus. Du poisson, oui. Sinon, ça charge les trains. Ah, voilà. Ah, le sanatorium est construit. Ah, l'éducation est un pouillaba. Santé 9 sur 8. Ok. Y a toujours du chômage malgré ça? Ah ok. Transport social. Ah, on va avoir besoin. On va en vendre. Hop là, et là il m'en faut encore 3. Je fais une construction. Ah bah c'est ça. Bon. Bah ce qui fait que ça va accélérer mes recherches. Hein. 3,76. Très bien. Main d'œuvre. Main d'œuvre, j'en ai pas assez. On va améliorer le bâtiment.
Main d'œuvre 100%. Bah, parfait. 70 emplois, 70 habitants. Mais en vrai, ça va pas durer à cause de ça. Je sais pas comment ça va employer de personnes, ça, mais... 5... J'ai besoin de 5 moteurs, s'il vous plaît. Bon, on va en prendre 10. Parce que, voilà. Ah, nouvelle catégorie du bâtiment devient disponible au pied de falaise. Au pied des falaises. Alors, ça me débloque. Énormément de bordel et surtout énormément de choses qui prennent énormément de place. Agrandissement de la falaise? Mais non. Ah ouais? Ah, ça y était pas ça. Alors, il y a, comme je vous dis, une chier de trucs. Donc, il y a des hangars d'ingénierie. On peut faire un petit dock d'amarrage. Des stations d'amarrage. Non, d'arrimage. Et des générateurs de capsules, donc générer l'électricité pour la ville à partir de capsules chargées par des stations capsules batterie. En gros, tout ce qu'il peut avoir en bas. Ça, c'est des bâtiments qu'on peut mettre en bas. Regardez, par exemple, des mines. Pardon. Voilà. Je ne me souviens vraiment plus du tout. S'il y a un ordre, aussi un truc comme ça. Oula, c'est sombre ici. Ok, c'est un effet de lumière. Ah, j'ai eu peur, je me suis dit c'est sacrément moche, c'est sacrément pollué. Produit des composants pour des bâtiments au pied des falaises. Fournit un drone résistant aux radiations. Le drone travaille toute la journée au pied des falaises dans des conditions radioactives. Il rentre la nuit pour régénérer son revêtement protecteur et refaire le plein d'uranium. Ah ouais, ça aussi. En haut, le drone ne desservira que des bâtiments de la falaise pour lequel il appartient. Ok. Et ça, c'est pareil. Je vais faire tout le bazar ici. Hein. Emploi, j'ai beaucoup d'emplois. Bon, moi j'ai ce qu'il faut. Je vais faire tout ce bazar ici. Ça va me prendre du temps, ça va me prendre de l'argent. Quoique tu me diras, elle est pas assez stable. Hein, la situation ici est pas stable. Donc même si je veux, je peux pas de suite. J'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de rentrée d'argent, pas assez de production. Je vais devoir le faire là. Et après, quitte à le déménager, c'est pas un souci. Allez, hangar, on va faire le hangar, mon ami. Bon, il y a du chômage, et ben il y aura moins de chômage. Et il y a aussi un petit dog de je sais plus quoi. Dans quel sens on va le faire? Oh, on va dans ce sens-là. J'en sais rien, on va dire dans ce sens-là. Ouais, ça demande pas mal de matériaux. Et ça, moins. Beaucoup moins. Voyons voir, je veux checker au niveau des moteurs, tout ça, on est bon vu qu'on en produit aussi pour la colline d'à côté, je voulais vérifier. Ok. Ensuite, la mission, c'est... faire une mine de minerai à écologie globale. Le terrain en dessous est soumis à radiation. La mine de, extrait du minerai radioactif pour un traitement ultérieur dans le réacteur de séparation. Donc ici, il peut être séparé en débris et en uranium. Ah, donc ça peut alimenter les propres machins. Bâtiment résistant au tremblement de terre. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Donc ce que je vais y faire, bah, c'est que je vais poser mon première mine ici. On va poser une mine. Et on va la construire. Sauf que les mines ont besoin d'un sacré bordel de trucs pour être fait. Et ça, chaque chose est construit un par un ici. Voilà, vous voyez. Un châssis
Voilà, ça demande tout ça. Et il en faut 28 des châssis. Donc ça va être lent, ça va être très lent. Vous êtes prévenus. Mais c'est tout ça que... Autant de place que... qui sera gagnée sur la colline. Je sais pas si je gagne ou je perds de l'argent ici. J'en ai aucune idée. Hop, je vais juste faire ça. Hop, et on va remettre deux supplémentaires en construction. Et c'est là-dessus que je vais terminer l'épisode pour aujourd'hui. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous propose de vous retrouver très bientôt pour le prochain épisode. Merci à tous d'avoir suivi. C'était Tiob.